هرما مدام شاشيفان غارلين ياو يمهو واحد دولة هرما إشرينكو ياهو سيكمهو واحد أدوان غاردمو داكي كان شاشيفان يمهو واحد دولة فسنتي رئيس أساري السماني وليندي يا توسي وابان هرمالي ده له وانا بونجي No, 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 no
Amarina mna mwazita na bahi mbuwa heda ulaha isanji arma Leda hula huwa na bunge wakati unu Gonsi pia wakahumla hiki wahisa wa Reje harma yesuba hulu shambla hiki Excellence, le président de la République, Azel Assoumani. Heki Kawaya, Heki Daouda. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بالنفر ثم الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافي مزجه الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لا يلد ولا يولد ولم يكن له كفوا أحد إكسلنس مسيور الشيخ بلكا أزال السمين سمينانس بالكامرفي Madame la Première, Excellence Monsieur le Président de l'Ensemble National, Excellence Mesdames et Messieurs de l'Ordre du Gouvernement, Excellence Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité à l'égard de Comanche, le Général des Armées, chef de major, Honorable les invités, invités en vos rangs, qualités respectives et tout protocole observé. En dernier cas, je vous remercie de tous les gens. Assalam, Zakislam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et quand vous remercie de tous les gens, كمي أنا كسانا وتشوكا يونسي لتشاكي فتحة إلي منزمو لأن نفسيشي يعني حفاوي شاكب لي أبوزي كانزاريشي لزيزي أبقي فتحة يندي لي أسوانتي فيا شينا كاتين يو يو كانت سفاو نمومي المغفرة وانريكا وغرمشي لدواني ويبيلي يبقوكي زواتو كوفو les Fatha et les Jojoa Oboa Elijan.
nyezimu na warehemu ya wanaze wajema ukiwa. À l'instar des pays membres de l'Organisation mondiale du droit, l'Union des Comores, à travers l'administration mondiale du droit et un mot direct, célèbre en cette journée si cruciale et en présence du chef de l'État, Son Excellence Azali Soumani, la journée qui a tant réuni pratiquement le monde entier. Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession première, tel est le terme, retenu par l'organisation en cette date d'aujourd'hui. Je vais donc procéder à la lecture du programme d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous avons nous avons quelques versets chroniques, le moment de bienvenue du directeur général des douanes, l'allocution du coordinateur président du système des Nations Unies à l'Union de Comores, et puis la projection d'un film reportage sur la douane en chiffres, et suivra le discours du ministre de Finances du budget du secteur bancaire. Il y aura la remise des certificats de mérite dédiés exclusivement par l'ONG, et enfin, l'allocution du chef de l'État suivra la clôture par la grande mosquée. Et enfin, au clore, il y aura encore la bataille militaire qui sera sous le contrôle du commandement de la gendarmerie et de la droite en commun. Présentement, je vais donc envier d'abord Ariane, d'abord et Jalénique, la Kazan, la Ligne Zéro, la Hafabi, et la Fasiché, et la Suiché. Alors, ma figure, donc la solution pour moi, la CVCI, au niveau de la CERVO, pour la médecine. La faute de la chambre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ولتكن
Excellences,
Madame la Présidente, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, ministres, secrétaires d'État, Monsieur le Président de la Cour suprême, l'éminence de l'Orange, de l'Ontario, Monsieur le chef de l'état-major de la médecine et du développement, le général Issou Kouyaté, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes d'Anjouan, Grand Honor et OEU, il est absent et il s'est excusé. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le délégué à la défense, Mesdames et Messieurs les maires et les conseillers du secours, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions internationales à l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux des administrations publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organisations du secteur privé, distingués, invités, en voulant les qualités, tout protocole observé, chers collègues, douaniers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'honneur de mes choix, au nom de mes collègues douaniers, et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie qui marque la célébration de la Journée internationale de la douane, communément appelée la JIP. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour donner cet événement et nous vous en sommes très reconnaissants. L'administration douanière de l'Union de Corée, à l'instar des pays membres de l'Organisation mondiale de la douane, est heureuse de célébrer la JIP en ce jour du 26 janvier 2023. C'est une tradition pour les 183 administrations douanières du monde entier de commémorer cette journée à cette date en mémoire de la session inaugurale du Conseil de coopération douanière qui eut lieu le 26 janvier 1953 à Bruxelles. À travers cet événement, l'administration générale des douanes de l'Union européenne se joint à la volonté de l'OEB qui dédie la Journée internationale de la douane de ce 26 janvier 2023 aux efforts que les administrations des douanes déploient pour accompagner les fonctionnaires de la douane du futur, encourager le partage des connaissances et renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté douanière mondiale. C'est ainsi que le terme retenu consiste à accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la qualité de la profession douanière. Toujours selon l'Organisation mondiale de l'ONU, le groupe des douanes, ce thème s'inscrit alors dans l'approche qui consiste à placer le capital humain et en particulier la nouvelle génération au cœur de cette transformation. Je voudrais dès lors exprimer ma gratitude en mon nom et à celui de l'ensemble du personnel de l'administration des douanes colombiennes, à son Excellence le Président de l'Union des Comores, chef de l'État et chef des armées, d'avoir voulu célébrer avec nous cet événement dans le lieu mondial. Permettez-moi de saisir ce moment solennel pour exprimer également ma reconnaissance à la loi des institutions suivantes. L'OEB, dont le secrétaire général, le docteur Nyon Mukuria, apporte son appui et un appui constant en matière d'assistance technique du fort et de renforcement des capacités au profit de notre administration. Le FMI à travers Afrique Sud, la Banque mondiale, l'UNICEF, la PAS, qui apporte un appui technique permanent dans le cadre de la coopération multilatérale, notamment pour ce qui est du renforcement des capacités et des structures. Le FMI, à travers toujours Afrique Sud, deux experts, M. Alain Charlet et Georges Blas, ici présents parmi nous, sont les artisans du nouveau code des douanes promulgué en octobre 2016 ainsi que les textes d'application générale. En effet, la mondialisation a pris les constantes des échanges commerciaux. Malgré les impacts de la pandémie COVID-19,
intégrer la communauté douanière, de renforcer les mécanismes et dispositifs du contrôle à travers le tri typique, recette, facilitation ou sécurisation. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter ici quelques actions engagées par l'administration de l'Union comorienne en collaboration avec ses partenaires, dans la logique des orientations de l'Organisation mondiale des douanes, visant notamment à prendre en considération les éléments suivants. La génération avec la culture organisationnelle et la gestion des connaissances, la fierté de la profession douanière. Un vaste programme d'informatisation et de digitalisation est engagé. Ce programme est en adéquation avec les recommandations prioritaires de 2021-2023 du ministère des Finances, du budget du secteur bancaire, visant à rendre en moyen terme plus performant et modèle la chaîne de recettes. Ceci est en conformité avec le plan de mode émergent, notamment le catalyseur 3, un capital humain qui prépare l'avenir, et le catalyseur 4, des réformes structurelles pour un environnement compétitif. Il s'agit notamment de la dématérialisation des procédures par le biais de la éthique et de la généralisation des guichets publics, impliquant plusieurs administrations permettant de gains considérables en termes de temps et de coûts. C'est ainsi que l'initiative du point numérique au compte est corollaire avec l'allègement des procédures de déploiement. Les chantiers en cours de cette détermination de la part des autorités douanières, notamment. L'introduction prochaine du paiement électronique des droits et taxes sur la part. L'élargissement du guichet unique. La mise en place du manifeste de cargaison par voie électronique. L'usage des outils modernes de contraire tels que les tablettes et les retards. Une dématérialisation des procédures. Zéro papier avec sécurisation maximale de recettes et des données. Et en perspective, l'amélioration du système national, Sidonia-Rod, via un web service. Cette version offrira des possibilités aux usagers de déclarer des marchandises 24 sur 24, 7 sur 7, depuis l'étranger à l'intérieur du pays. Un engagement est pris face aux défis visant à l'exercer les flux des marchandises par voie électronique. À cet égard, l'administration des douanes est déterminée à adopter les technologies douanières, notamment la digitalisation dans les procédures douanières, une des questions actuelles de la vente des produits. Dans ce cas, l'OMD donne conscience des défis utiles à relever. Ainsi, pour tous ces instruments et outils mis à la disposition de ses membres, elle offre aussi à la douane la possibilité de contribuer efficacement à la protection des intérêts financiers de l'État et à la protection de l'économie nationale contre les mouvements illicites des marchandises et en soutien au système commercial international, à la facilitation des échanges et à la protection de la société. À ce titre, l'adhésion de l'Union des Comores en janvier 2022 à la Convention de Kyoto révisée, CKR, portant simplification et harmonisation des régimes douaniers, marque pour notre pays le début d'une ère nouvelle de réforme destinée à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux avec plus de 13 millions. Cet instrument permettra à la Douane Comorienne de créer un environnement sûr et favorable pour le secteur privé et de réaliser des bonnes performances en matière de mobilisation et de sécurisation des recettes. Le choix qui a été fait d'organiser l'année dernière, avec l'Union des chambres de commerce et de l'industrie, un test d'aptitude pour les officiers en douane et le parfait exemple de cette politique de modernisation. Par ailleurs, les actions de la douane sont articulées autour des stratégies économiques du pays et l'approvisionnement pays en biens stratégiques essentiels, comme des hydrocarbures, des produits médicaux, des pharmaceutiques, et en parler de première nécessité. Un arrangement de programme succédant au profit de son personnel en matière de la ressource des capacités techniques et opérationnelles. Conscient du rajeunissement de son personnel, l'administration générale des douanes vise à déléguer
Les nouvelles méthodes de travail adaptées ont un contexte à instaurer une culture organisationnelle axée aux résultats et aux compétences et à améliorer la gestion des commissaires. Ainsi, pour les sécurités de secteur, 4 agents de droit ont été formés récemment au Maroc, 3 autres actuellement en formation à l'École nationale des droits de Bruxelles et 4 autres au centre de formation du RANIA au Maroc. Avec l'appui technique et financier du projet d'appui à la gouvernance financière, FAGE, financé par l'AFD, une première cohorte de formation médicale sera organisée en début de février 2023 au profit de 50 agents des douanes catégorie C et D en plus de 3 promesses à rouler. Ici, à la grande courbe, il y aura 50, au niveau d'Anjouan, 50 et à Noël, il y aura aussi 50 toujours dans l'année 2023. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la brigade maritime, 30 agents seront formés très prochainement au camp de Sanaï, en juin avec l'appui de l'Année nationale de développement. L'administration des douanes inscrit l'élévation de l'éthique et de l'intégrité de son personnel comme volet essentiel dans le renforcement de ses capacités de travail au quotidien. C'est ainsi que les sessions de recrutement et de formation spécifiques sont dédiées à ce groupe. Cela est corollaire à la mise en place des conseils de discipline avec des codes de conduite dédiés conformément à la déclaration de la recherche avec les CDOEB, ainsi qu'à la déclaration de Bourgogne des sous-comités des directeurs généraux des banques de l'Union africaine. Pour protection de l'économie nationale, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma fierté et ma reconnaissance à l'égard des agents et cadres de l'administration générale des douanes pour l'engagement dont ils ont fait preuve à ce sujet durant l'année 2022. Sur le plan des recettes, malgré les impacts de la crise COVID-19 et sur le chemin de l'approvisionnement, les résultats de l'année 2022 ont été de 26 583 109 602 francs comoriens hors taxe publique du vie ordinaire de l'UNICOR et des taxes d'importation du produit pétrolier, soit 111% de réalisation. De réalisation sur les objectifs budgétaires, de réalisation sur les objectifs budgétaires de 23 756 223 813 francs comoriens et démontre modestement cette performance. En matière de lutte contre la fraude, les saisies records des produits prohibés ou fortement taxés en contrebas, mais aussi d'importation ou d'exportation sans déclaration, sont enregistrées en cette année 2022. Nous avons saisi en contrebas 82 cartons de cigares, 300 cartons d'alcool, sachets en plastique, les tasses. 37 cartons, des lingots d'or de 50 kg et 12 kg, de centaines d'espèces protégées, 1,2 g de poudre blanche, des véhicules recherchés et des habits de contrefaçon. Excellences, Monsieur le Président de l'Union de Comoran, Mesdames et Messieurs, la douane Sanage n'avait pas satisfait des acquis relatifs à cette modernisation. Et ce fixe objectif majeur de rendre le climat des affaires favorables plus compétitif et plus attractif dans le respect des normes et des standards mondiaux. Je ne saurais terminer mon propos sans faire une mention spéciale à l'ensemble de tous mes collègues douaniers qui se sont mobilisés jour et nuit pour l'organisation et la réussite de cette grande événement. Je voudrais enfin réitérer chaleureusement mes voeux de bonheur à sa mère. 2023, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran, shukran. Nishukuri ya kwezi, kutubayi kereziwa, ni mungu kwezi ya kwa zako, adela kia, ya kwa hako hiko, Mustafa Hassani, mwane. Watukufu kwezi, doje ziza, ya kwa kwa mwemamu, ya muhafi kwa shesu wa shangazija,
محافظ الوجه الشعور ولا يفهم مع الشعور يتكفل. À présent, nous allons convier le gouverneur résident de ces Nations Unies à New York, Fabien Ngwa. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Madame la Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée de l'Union, Son Éminence le Grand Monarque, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes de Ngadija et Zouani, Monsieur le Ministre des Finances, du Budget, et du secteur bancaire. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, les représentants des organisations régionales et internationales accréditées et non de Comores, Monsieur le Président de la Comores, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des médias et du secteur privé, chers professeurs de la Comores, distingués invités, abhorrants, grâce et qualité, assalamu alaikum. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être invité par les Comores comoriennes à prendre part à la célébration de la Journée internationale de la douane. Cette journée est importante au regard de la thématique aujourd'hui cette année pour célébrer les 70 années de la création de l'Organisation mondiale des douanes, à savoir accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Ce thème appelle à nous sensibiliser, à nous faire réfléchir et à montrer la place centrale du capital humain pour la communauté douanière et ses partenaires. Il plaide aussi pour une nouvelle génération de douaniers, bien formés, fiers de leur métier et conscients de leurs responsabilités dans le développement et la protection du pays. En tant qu'Africain, parler de nouvelles générations de douaniers me fait penser tout naturellement à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZUA. Elle vise la création d'union douanière continentale au sein de laquelle, dans sa phase finale, les États appliqueront un tarif extérieur douanier commun. La ZUA s'inscrit parmi les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine et se veut être un levier de transformation économique et de développement durable de l'Afrique à travers le renforcement des échanges intra-africains. À titre d'exemple, avec la ZECAF, les entreprises comoriennes auront accès direct non pas seulement au marché intérieur de moins de 1 million de consommateurs, mais également à plus d'un milliard de consommateurs à l'échelle de l'Afrique. Néanmoins, la ZECAF implique un repositionnement du rôle de l'administration douanière africaine. Elle implique un rôle nouveau, focalisé davantage sur la complémentarité des économies d'échelle et une coopération douanière renforcée. Au moment où le choc de l'État, Son Excellence le Président Azali Assoumani, s'apprête à accéder à la présidence de l'Union africaine, je devrais exhorter
les membres de l'Assemblée de l'Union d'accélérer le processus de ratification de la CEDAW. J'aimerais rappeler que son excellence Azali Assoumani, président de l'Union, a été parmi les premiers chefs d'État qui ont signé la convention de la CEDAW à Kigali il y a presque 5 ans. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer le travail effectué en amont par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, et la Commission économique africaine qui ont accompagné le ministère de l'Économie pour préparer cette ratification, notamment avec la formulation de la stratégie nationale de mise en œuvre de la CEDAW, ainsi que l'organisation de la première organisation de cette stratégie qui a lieu en Burundi les 6 et 7 décembre dernier. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le rôle du système des Nations Unies, en tant que partenaire de la communauté douanière, est de vous accompagner. En cela, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce de l'Europe, demeure un partenaire historique des douanes comoriennes à travers l'appui à la mise en place du système douanier automatisé, la CIDOLIA. Ce système facilite la traçabilité des produits importés et l'échange d'informations entre les différentes administrations faisant partie prenante du circuit de change de biens à la fois pour les importations et les exportations. La CNUSED a aussi appuyé le mécanisme de paiement électronique dans les frais, des frais de dédouanement ou encore la mise en place d'un guichet unique qui a rendu possible la dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Un appui qui pourrait sans doute être appelé à se poursuivre dans d'autres procédures. Actuellement, la CNUSED appuie le renforcement des capacités nationales en matière de collecte, production, partage, échange de données douanières à travers le projet conjoint avec les autres agences du système de la société sur le renforcement des capacités statistiques nationales. L'accompagnement du système de la société ne se limite pas seulement aux seules administrations douanières. Il intègre une dimension beaucoup plus large qui prend en compte l'intégration régionale et la compétitivité de l'économie colombienne. C'est en ce sens que l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONU, et le Centre de commerce international mettent en œuvre, sur financement de l'Union européenne, un programme d'appui à la production, à l'industrialisation et au libre-échange conformément à un projet dénommé Acquis-Mort. Ce programme vise à promouvoir la production locale d'objets de consommation de qualité et commercialisables à la fois sur le marché national et sur le marché régional et international. Dans le même ordre d'idée, l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, le ministère, apporte sa contribution dans le renforcement des capacités nationales de sécurité portuaire et de lutte contre les crimes maritimes et transnationaux. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous conviendrez avec nous qu'au vu de ces enjeux, le thème retenu cette année pour accélérer la Journée internationale de la douane garde tout son intérêt et qu'ensemble, nous devons accompagner la nouvelle génération, poursuivre le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. J'aimerais vous rassurer qu'en tant que partenaire de la communauté douanière, le système de Nations Unies continuera à apporter sa pierre à l'édifice. Ensemble, transformons les Comores en laissant personne de côté. Parabéns. Merci beaucoup, sincèrement. Merci, Monsieur le Président. Sans poser le problème.
بشكر يا كويس يا بوت بيا طول عمرك لما تكفو يكا هو يا تكنسا تابسا بزنبرو Présentement, nous allons confier l'assistance en faisant appel au chef de communication de prendre quelques instants, Excellence, une vidéo de projection qui retrace la douane en chiffres. Wakati unayacho urenga mnaposi titi hagunga ye video ikaudio yesi wa uyo ama ishu nga shakaki angatore nga wakati unayili ripo msikila haulindia rijeri mnikeni ukamilifu wahe sherehi ranzida hunjuba na mawakati